Zu Ohren, Bruder. Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, c'est un épisode de Far Cry Primal, chers amis, et on fait continuer pour voir le petit aperçu de l'histoire. Ah, ça a changé. Bon, on sait qu'il faut pas aller au nord, et potentiellement à l'est, il me semble, que sont les Izila. Mais ces Izila sont durs. Je ne la ferai qu'à chaque épisode. La récompense du défi de la communauté. Nah, what? What the... Bon, laisse béton. Ouah, je suis plein à craquer. Ah oui, c'est quand il s'est mis à télécharger les nouveaux des trucs bizarres. Il m'a débloqué plein de trucs quand je me suis déconnecté la dernière fois. Et je pense que, ouais, voilà. En fait, il m'a débloqué plein de trucs à la con. D'accord. Ok, bon, bah... Pourquoi pas. Il m'a débloqué donc plein de trucs à la con. Construction de hutte, d'accord. Bah du coup, est-ce que ça va m'aider à améliorer des... Il y avait elle là par exemple. D'accord, donc j'ai les peaux de mammouth, j'ai pas les roseaux, par contre j'ai pas les bois d'aulne non plus, d'accord. Ok, donc tous les trucs normaux que j'ai, je ne les ai pas. Bon, bon, bon. Ok. Niveau quête, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à faire? Attention, à faire, hein, je parle bien. Nouveau ça? Je connais pas toi. Bon, on va commencer par aller à l'avant-poste difficile. Ah, attendez, il y a elle là. Qu'est-ce qu'elle veut déjà? Un puissant mammouth. Ah, ça peut être intéressant. Non, on va aller se faire le camp. Ça va, on va élargir un petit peu la zone. Hop. D'accord, le camp qui est là-bas, il y a de quoi monter ici. Pas moyen de monter directement là-haut, non? Dommage. Hop, allez, vas-y, saute. La nuit tombe ou le jour se lève? La nuit tombe, si c'est pas magique. Bon. Bah, c'est la fête. Il y a des gens, il y a des gens. Allons voir le fameux bois d'aulne. Mon blaireau qui arrive. Il va pas être très discret. Hop les, voilà, ça c'est fait. Ah par contre s'il m'affiche ça tout le temps, ça va être chiant. Autant vous le dire, chers amis, ça va être chiant. Est-ce que je ferais pas mieux? De le quitter. Sauvegarder, quitter, revenir au menu principal. On va bien voir. Je pense que ça va me renvoyer au camp juste avant, donc ça devrait aller. Mais là, c'est embêtant. Faut que j'aille là-dedans, non? Hop. Récompense.
C'est là-dedans, non? Je sais pas. Action club. Ok. Alors attendez, sommeil. D'accord. Donc je sais pas. Mage F2. Honnêtement, on vient pas m'embêter avec ton caca. On l'a déjà vu, merci. Ta phrase à la con là me plaît pas du tout. Et s'il fait jour, je vais D'accord, oui, c'est. Faut que je remonte. Alors. Oh mais non, ma flèche. Hop. Hop. Allons-y, on est pressé, chers amis. Hop. Cassez-vous. Hop. Allez, voilà, ils sont là. Bon, j'aimerais du coup prendre une bestiole un peu plus sympa. On va l'attendre, c'est pas grave. Pourquoi il recule? Hop les, ça c'est fait. Tiens, mange. Belle bête. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouffe. Bon, en fait, il nous en faut un noir. Mais... Il nous en faut un noir. Bon, reviens à la maison. Oublie-le. Par contre, t'es clairement pas la bestiole que j'imaginais niveau endurance. Je vais prendre ça, on va bien voir si c'est plus tanky. Je l'espère. Ok, on y retourne. Ils sont loin encore. Si je prends par là, je devrais être à même de les... De les prendre au même niveau. Oh oh oh. Vous avez pas la même idée que moi, chers amis? Vous avez pas la même idée que moi, franchement. Un mammouth. C'est un grand apparemment. Je ne peux pas le monter. C'est véritablement dommage. Là c'est des loups. Là-bas il y a un gros truc qui brille. Hop, érable du sud. Oh, c'est un petit mammouth que j'aurais voulu. Les loups nous ont peut-être repérés. Main d'Aïcha, d'accord. Attaque-les. Putain. D'accord. Là, on est dans la merde. M'en occupe. M'en occupe. Eh ben oui, c'est con, hein. Hop, un petit peu de viande. Crac. Attends, le jour se lève déjà. Ah non, c'est la lune. J'espère que c'est la lune.
C'est con, je vais attaquer un campement en pleine lune. En pleine lune plutôt, je devrais dire ça comme ça. Ok. On le rappelle lui, histoire de... Et surtout, c'est lui qu'on va prendre. Ah mince, je suis coincé dans un trou. Oh bah non, pas déjà. Pas déjà. J'étais sur le point d'attaquer. C'est un tertre. Oh la gueule. Ils sont vraiment bien plus avancés que nous. Ok. Comment je vais faire? Il y en a un qui vient. Merde, ils ont vu mon jag. Ils ont vu mon jag, alors est-ce que ça va compter comme un... Épouse-toi. Hop, hop. Repéré. Ok. Ok. Hop, bouffe. Ok. Dégage! Dégage! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tiens, bouffe! Hop. Hop. Tiens, dégage. Merde, ma bestiole elle est morte. Fais chier. Crac. Y a-t-il des flèches dans le coin? Fais chier, ma bestiole est morte encore. Je vais plus avoir de feuilles rouges si ça continue. Alors, fouillons les corps. Parce que les flèches descendent très très vite. Il est monté? Ah oui, il est monté. Tiens. Ça va? Tranquille? T'as pas l'impression de tout le temps mourir?
J'imagine qu'il y a encore des gens à buter dedans. Le nombre de flèches en pleine tête que j'ai fait dans cet épisode. Ça commence bien. Ici encore des cadavres. Crac. Crac. On va aller voir à l'intérieur. Hop. Même si je l'admets, je ne comprends pas trop ce que je n'ai pas fait. Hop, vas-y, viens par là. Crac. Ah, c'était le dernier, d'accord, il en restait plus qu'un. Il en restait plus qu'un, bon bah d'accord. Bon bah, un campement de fées. Ça c'est fait. 500 d'XP, population ninja augmentée. Alors. Ça c'est bon, ça c'est bon. Exécution à couvert, oui d'accord. 31 points d'XP, plus 510, c'est parfait. J'ai vu qu'on avait des points à mettre, chers amis, dans les points de compétence, un point. Bonus de 4% d'XP, pourquoi je sais pas, parce qu'on est dans une zone à nous, j'imagine. Ça c'est les pièges, d'accord. Ça c'est le gourdin à deux mains, d'accord. C'était pas ça qui m'intéresse pour l'instant. J'aimerais augmenter les saguets en fait, les passer un petit peu au niveau supérieur. Il faut que je trouve plus de pierres. Au passage, vu que le jour s'est levé, techniquement. Pierre du Sud. Pierre du Sud, 20. Ouais, génial. Génial, génial. Je me trompe de bouton. Ok, c'est cool. Confection. On peut s'en faire. On peut améliorer la sagaie. On augmente donc sa durabilité et l'agilité qu'on a avec, mais pas ses dégâts. Ok, je suis preneur. Pierre du Sud rare, il en faut 4. Et je serai à même de passer au niveau 5. Ce serait cool, ce serait cool. Ok, waouh, elle est belle la saguée. Hein. Donc, nous sommes ici, il faut qu'on aille là. En tout cas, ce tertre est juste magnifique. Hein. Oh là là, ce jeu est magique. Est-ce que je peux? Non, là c'est pour grimper lentement. Ah, il y a un point d'eau. Ah, c'est génial. Parce que c'est littéralement le bon endroit pour mettre une maison, enfin une cabane ici, quoi, j'ai envie de dire. Il y a le point d'eau juste à côté. Oh. Poudre de roc du sud, pourquoi pas. Moi, c'est de la... C'est des poulets? Ok, je peux pas. Dommage, ça aurait été pratique ça. Hop. Allez, vas-y, accroche. Parfait. Continuons. Feuille rouge, on en a besoin. Ce sont des bouquetins. Érable du sud, on en a besoin. Y'a pas de bestioles. C'est des amis, c'est des amis. Ok. Bon, ça fait deux pierres qu'on loupe en bas. J'ai envie d'aller les chercher, mais je pense que c'est des pierres noires. Hop. Voilà, on se détache. Crac. Pierre du sud. Non, attendez, attendez, attendez. Pierre du Sud x2, Pierre du Sud rare, génial. Génial, génial. Pierre du Sud, pas de Pierre du Sud rare. Ça nous en fait une, plus que 3. Non, c'est moi, t'inquiète. J'ai encore une fleur rouge, c'est parfait. Par contre, j'ai vu un ennemi sur moi. Alors, moi, je cherche le, comment, le jaguar. Oh,
quand les flammes se propagent. Non, mais non. Fouillez le bonhomme que je voulais. Hop. Éteindre le feu. Hop. Tigre à dents de sabre là-bas encore. La fleur rouge. Enfin, feuille rouge, pardon. La feuille verte. Ça me fait penser que d'ailleurs on devrait peut-être utiliser un peu plus de tout ça. Quoique, apparemment on utilise déjà les feuilles vertes. Hein. Ah, c'est pas la bonne bébête. Merde, je me trompe de bouton ou quoi? Dégage. Bouffe-le. Bouffe-le. Tiens. Tiens, bouffe. C'est moi qui t'ai buté. Soignez bête, tiens, mange. Moi je vais récupérer un petit peu de viande et un petit peu de peau. Voilà. Non mais oh. Du sud rare, génial. Génial. Même si on est plus intéressé par les pierres à l'heure actuelle. Ce n'est pas grave. Vert, je prends. Apparemment, il y a un campement juste au-dessus. C'est là qu'on doit aller. Allons-y. À l'heure, bonjour. Sympa dans le coin. Maïta. Maïta. Ok. Bonjour, joli pot. À apprendre à voler. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors. Ah, il vient de tuer un piaf. Il tue des oiseaux en les tapant contre les murs. Winja. Kushawi Warha. Urki Yishwara Kwati Patashta. Oh, il est bon lui. Urki Yishwara Kwati Patashta. Winja. Oh. Oh. Apatash Fupausi Khan. Oh là là. Alors lui il a été bercé trop près du mur hein. Clairement. Urki San Patra. Ne me dis pas qu'on va me donner une wingsuit. Pourquoi il ressemble à un américain comparé aux autres? Urki Sakui Hapatra Daha. Pourquoi il ressemble à un américain? Oh là 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 là. Ok, bon, on a finalement réussi à le trouver. Fais comme l'oiseau, putain. Oh. Oh la belle bête. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dans votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour cette aventure, un grand merci à mes chers amis de Gamesplay.com qui ont gracieusement fait le jeu et je les en remercie encore une fois. Et merci à vous pour les presque 5K abonnés. Je vous rappelle que le Tipeee est enfin disponible dans la barre de la chaîne sous le. Donc, sous comment. Au niveau des liens en bas à droite de la bannière, donc. De l'image avec toutes les comment les séries en cours. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.